Hi friends, good morning, c'est Gaëlle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi matin, il est 8h et I just made myself some coffee. Et I don't know if you can see it, mais ma chambre là c'est un peu le bordel. Et donc je vais ranger ça ce matin et je vais vous prendre. Ok, ce week-end je vais vraiment essayer de vous prendre complètement tout le week-end avec moi. Je dois étudier, je dois travailler pour l'école parce que j'ai un travail à rendre dans quelques jours. Bon bref, de toute façon, I'll talk to you about that later. Happy Saturday, happy weekend, and let's go. This is gonna be my weekend in my life in Georgia. Study weekend in my life in Georgia. Cheers. Il y a quelques jours, j'avais fait un peu de shopping, de choses que j'avais besoin. Et ça, c'est ce que j'ai eu hier au musée, enfin pour The Veterans Day, The Tote Bag. Il y a des choses à l'intérieur. And I will clean this. Je vais ranger tout ça maintenant. C'est parce que j'ai acheté un board que je vais mettre là, mais il est encore dans ma voiture. J'ai acheté un labello parce que j'en avais besoin pour allumer ma bougie. J'ai acheté un lisseur. Je fais jamais mes cheveux, mais en fait j'ai remarqué que ici avec l'eau, ça rend mes cheveux un peu plat, enfin un peu bizarre comme ça. Et du coup je me suis dit que si je les lisse pas, ça se verra pas. Donc j'ai acheté un lisseur, il coûtait pas trop cher. Ça c'est pour ranger mes trucs. Et puis j'ai acheté un petit couverture, hein, c'est le mot que je cherchais, pour mettre là. Donc voilà, Noël. Et ça c'est des trucs pour amener au bureau. On va unpack everything et après je vous montrerai ce qu'il y a là-dedans. Je pense que c'est pas dans ce vlog-ci, mais c'était dans le précédent vlog que j'ai été, c'était hier en fait, au musée Atlanta Historic Center, I think it's called. Et après ça, il y a un musée sur The Civil War, donc la guerre civile aux États-Unis. Et j'ai, après avoir été au musée, bien sûr, il y a un shop, you know. Et je me suis dit, if I don't buy it now, I'll never come back. Du coup, j'ai acheté quelques trucs. La première chose, c'est... where is it? Oh mon dieu, where is it? Oh. This. Donc, vous voyez mes bullet journal. J'aime bien toujours mettre des stickers, the places I lived that year. Du coup, I'm gonna put this one on the red one. Et pourquoi there's a peach, I'll tell you, parce que vous allez vous dire, mais Gaël, why? Mais ensuite j'ai pris cette casquette, which I love, like it's, oh my god, I think it's so great. Et vous devez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a une pêche? Et en fait, the peach is the sign, en fait, bon, l'état où je suis, donc Georgia, it's called the peach state. Et donc, there's a peach, and this is Georgia, anyway. Going to my first kickboxing class this morning. Je marche à ma classe de kickboxing là et il fait tellement froid dehors. Il fait, je pense, plus ou moins 32 degrés Fahrenheit. Donc il fait environ 0 degré en fait. 0 degré Celsius. Donc il fait très froid. And I'm walking
to my kickboxing class, got my morning coffee,